Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Jean Carton. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à un unboxing, l'unboxing du jeu de Lucky Duck Games, Overboss. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter tout le matériel se trouvant à l'intérieur, ainsi que le système de rangement Game Trace qui est intégré, et donc en fin de vidéo, je vous montrerai comment organiser votre jeu pour pouvoir le sortir plus efficacement. On voit ça tout de suite. Et voici donc cette boîte de Overboss, donc Overboss édité originellement par Brotherwise Games et chez nous par Lucky Duck. Donc déjà, on voit que ma boîte, elle a pris un sacré coup ici. Donc bon, bah ça évidemment, il faut pas en tenir rigueur. Mais donc voilà, alors cette boîte qui est très violette, très maléfique, avec du vert. Donc là, on est clairement dans les inspirations comme elle se revendique, donc 16 bits. Donc on est vraiment dans l'ambiance rétro gaming, c'est un peu le thème en ce moment. On avait fait Adestrap il y a quelques jours, maintenant on fait Overboss. Donc Overboss pour 1 à 5 joueurs, pour des joueurs de 10 ans et plus, pour des parties de 20 à 30 minutes. Donc c'est un jeu qui reprend le thème de Boss Monster. Donc Boss Monster, un jeu auquel j'ai déjà joué, enfin que j'ai à la maison d'ailleurs, mais j'ai joué, ça fait un moment que j'y ai pas joué. Donc c'est un jeu de cartes dans lequel on va devoir construire son donjon pour attirer donc les héros, les héros, enfin plus ou moins héros, parce qu'il y a des. Il y en a, il y a un idiot, il me semble d'ailleurs, dans le genre l'idiot du village qu'on peut attirer. Le but, ça va être de faire en sorte qu'ils ne traversent pas donc notre donjon, et donc on récupérera leurs âmes, et au bout d'un certain nombre d'âmes, on remporte la partie. Donc ça, c'est pour Boss Monster. Ici, on est sur Overboss, donc c'est un jeu qui est donc un jeu compétitif, pardon. Donc on va jouer un boss, c'est pour ça qu'il est marqué de 1 à 5 boss ici, on va jouer un de ces fameux boss, donc issus de l'univers Boss Monster. Et le but, ça va être de gagner de plus de puissance que nos rivaux. Enfin voilà. Donc, j'en parlerai un peu plus tard dans une autre vidéo. Dans celle-ci, je vais me contenter du matériel. Donc, on va commencer par l'ouvrir. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On commence par des superbes Game Trays. Donc, les Game Trays, donc, si vous ne connaissez pas, c'est une référence des rangements pour les jeux de plateau. Donc là, hop, on a une boîte par-dessus. Dedans, alors il y a des cartes, et en plus de ça, il doit y avoir des cartes promotionnelles, puisque c'est le premier tirage, donc c'était indiqué dessus. Premier tirage, vous avez des cartes supplémentaires. Alors j'imagine qu'ils comptent faire d'autres tirages. Donc King Croak, Belladonna, Konga, Xyzax. Alors ça, je le connaissais. King Croak, je le connaissais. Belladonna, non. Konga, non. Cerebellus, oui. Dans Boss Monster, Cléopâtre aussi. Katzana, non. Porcus, il me semble pas. Explodo, ben ça c'est une inspiration. Donc ça je l'ai pas. Kyrax, il me semble pas que je l'avais non plus. Et donc ici on doit avoir les fameuses cartes boss supplémentaires. Donc je vais déballer ici. Ce sont des cartes assez classiques, hein. Il n'y a pas grand chose à en redire. Ça fait le boulot. Les frères sages et le collectif, donc qui a priori ne seront que dans ce premier tirage. Voilà, donc ça je vais les mettre de côté. Hop, qu'est-ce qu'on a ici? On a aussi des cartes, donc sélection de terrain. Donc l'arrière représente, enfin ressemble évidemment beaucoup à ce qui se faisait sur Overboss. Hein. Hop, donc voilà. Alors là, ça va être difficile de voir grand chose d'intéressant. Hein. Ce sont simplement des cartes, donc des petites. Hop, format mini. Et voilà les Game Trays, donc là-dedans on va pouvoir mettre, donc j'imagine les cartes, j'espère qu'il y a un plan pour ranger tout ça, mais j'imagine les cartes, donc la carte boss, on voit qu'il y a les cartes à boss, ça rentre là, et puis bah, toutes les tuiles, bien évidemment. Donc ça je vais le refermer tout de suite. Par-dessus, qu'est-ce qu'on a? On a les plateaux, donc ça doit être, ça doit correspondre au plateau des joueurs. Donc il y a deux faces, cette face-là avec plus ou moins de cases, donc je pense que ça doit correspondre, c'est pareil, ça va être à vérifier, mais je pense que ça doit correspondre au nombre de joueurs, tout simplement. Donc voilà, donc ce sont tous les mêmes. Alors, on a le style, hein, rétro gaming, clairement, elles sont déjà un peu gondolées, enfin gondolées, pas gondolées, mais bombées, donc il y a peut-être un petit travail de mise à plat à faire lorsque vous le déballez. Enfin, n'hésitez pas à mettre des grosses boîtes dessus. Moi, je sais que j'avais une grosse boîte de Gloomhaven qui me servait beaucoup, entre autres, à aplatir mes plateaux qui avaient travaillé. Qu'est-ce qu'on a en dessous? On a donc le petit sachet ici, Overboss. Donc c'est bien, il y a la petite référence dessus, parce que c'est vrai que souvent on trouve des sachets simples, tout simples, avec rien d'autre dessus. Là, c'est assez cool d'avoir ça. On a un carnet ici qui doit être un carnet de score, donc avec, oui, c'est ça, avec les 5 joueurs. Donc on a l'impression que c'est sale, mais en fait, non, c'est un effet donné. Donc voilà, là, il y a de quoi faire aussi.
On a de nouveaux trays en dessous, donc là ça va être exclusivement pour des tuiles, hein, je pense. Donc on va retirer hop, cette partie-là. Et en dessous, qu'est-ce qu'on a? On a un démarrage rapide. Hop, ah non, pardon, c'est tout est filmé. Ok, tout est filmé. Donc on va retirer ce film-là. Donc sur le dessus, donc évidemment là-dedans on va y voir les punchboards, hein, mais sur le dessus on a un guide de démarrage rapide, donc qui est toujours cool quand c'est bien fait. Un guide de démarrage rapide. C'est toujours sympa pour éviter, si jamais vous le recevez spécifiquement pour une soirée et que vous n'avez pas envie de vous cogner des tonnes et des tonnes de règles, même si je pense pas que ce soit le cas sur Overboss. Mais c'est toujours sympa d'avoir ce petit truc-là pour mettre rapidement en place votre partie. Et vous lancer très rapidement. Donc le voilà, guide de démarrage rapide, donc c'est un truc en papier cartonné. Donc on parle de mise en place, de comment jouer, est-ce qu'il y a une référence par rapport au plateau de ce que je vous disais, donc chaque fois un plateau joueur, avec 3 fois 4... Ah oui, alors, donc c'est juste une histoire de... donc le plateau, là, c'est partie plus courte, partie plus longue. Aussi simple que ça. Donc c'est cool, on a des terrains à sélectionner, etc. Donc ça, bon, on verra dans une autre vidéo. Et ici, donc, on a les tuiles de base qui sont donc le décompte des tuiles de base, le décompte des tuiles avancées, des jetons montants. Donc ça a l'air d'être assez complet à voir. Ici, donc, on a la notice. Alors, elle est pas très grosse, hein, la notice. Hein. On a 8 pages. Donc voilà, c'est pas assez loin d'être énorme, sachant que la 8e, c'est les exemples de score. Donc voilà, mais ce qui est assez cool, c'est qu'on va avoir donc le référentiel du matériel. Donc qu'est-ce qu'on trouve? Eh bien, on trouve donc les plateaux joueurs, je vais y arriver, les plateaux joueurs double face, donc on a déjà vu, on a vu les cartes de commandement, on a vu les cartes boss, le sac de jetons, bien évidemment. Il y a les règles solo, oui, il y a la règle solo dans ce jeu-là, donc évidemment, on va faire du solo, vous savez très bien que sur la chaîne, on passe jamais à côté du mode solo, c'est toujours important pour pas mal d'entre vous, et je vous remercie toujours d'être de plus en plus nombreux. On a un guide de démarrage rapide, on a vu le carnet de score, et on va voir, bien évidemment, nous allons voir le reste. Donc là, le mode solo, alors c'est une petite feuille, du coup, hop, une petite feuille. Il y a plusieurs niveaux, a priori, plusieurs niveaux de difficulté. Donc ça, c'est toujours, toujours très appréciable. On va mettre ça de côté. Est-ce que c'est un débutant moyen difficile? Est-ce qu'il y a un, peut-être un principe de cochage à faire façon réussite, je veux dire. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a les fameuses tuiles. Donc ici, il y a des tuiles forêt, grotte, cimetière, marécage, campement, château, île nuageuse, désert, cercle d'invocation et volcan. Qui correspond à quoi? Alors là, on doit avoir les tuiles marécage. Je pense que cette partie-là, ce sont les tuiles marécage. Alors c'est clairement, clairement bien foutu façon rétro gaming. Moi qui suis joueur également de jeux vidéo et notamment de rétro gaming, j'aime beaucoup cet aspect-là. Cet aspect que l'on retrouve, bah, qu'on retrouvait dans les précédents Zelda, on retrouve dans, en ce moment est ressorti d'ailleurs le Trials of Mana, donc qui sont des redites, alors j'ai plus le nom, peut-être vous le retrouverez, je n'ai plus le nom d'origine du jeu, mais on a donc cet aspect-là très Zelda-esque, si je dirais, très donjon, bien évidemment. Donc des choses qui sont plutôt cool à retrouver ici. Alors ici ce sont les tuiles donjon. Donc la taille vous l'avez vu, hein, c'est un beau carré. On peut apprécier les détails qui sont notés dessus. Sur ce côté-là, on va trouver des jetons portail. Ici on a des jetons mini-boss. Et en dessous, donc on a des inscriptions. Après avoir dépunché vos jetons, vous pouvez éventuellement insérer des plateaux dépunchés sous vos inserts en plastique afin d'assurer un ajustement parfait avec le haut de la boîte. C'est bien ces petits conseils. C'est sympa ces petits conseils. Qu'est-ce que c'est noté? C'est noté exactement la même chose de l'autre côté. Donc oui, le verso, c'est bien marqué Overboss. Voilà les petits jetons portail. Je ne vais pas tous les faire, bien évidemment. On n'est pas là pour ça. Alors, ça se décroche tout seul. Hein. Je le touche, ça tombe. Donc c'est tant mieux. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, ce sont les tuiles cimetières, donc qui ont cet aspect un peu violet. On retrouve ensuite le reste des tuiles marécage. Sur cette partie-là, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc ça, ces jetons-là. Je n'ai pas le nom de ces petits jetons. Est-ce qu'ils ont un verso qui permettrait? Alors, il y a une sorte de joyau à l'intérieur. Est-ce que c'est des jetons qui vont dans le sac? C'est possible, c'est tout à fait possible. Oui, ça a l'air d'être jeton cristal. Voilà. Donc, jeton cristal. Alors, je ne le trouve pas ici. J'ai peut-être pas les yeux en face des trous. Oui, c'est ça, en fait. C'est que c'est associé, pardon, avec les différentes tuiles de terrain. Donc, on a un jeton cristal correspondant à chaque type de tuiles, voilà.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors ici, les tuiles forêt. Donc normalement, cette tuile-là, c'est si vous jouez aux jeux vidéo, au rétro gaming, c'est les premières que vous allez rencontrer, ce type de design-là. C'est, vous voyez, on trouve un bassin d'effet. Donc ça, c'est très Zelda, ça, hein, le bassin d'effet. Donc ici, on a la partie désert. Je pense que ça s'appelle désert. Hein, tuile de nuage de tuile désert. Hein, c'est bien ça, tuile désert, les tuiles forêt. Et là, on a pas mal de petits ennemis. Donc les ennemis, c'est pareil, ils sont associés. On a 10 jetons monstres assortis. Hein, jetons cristal correspondant à chaque type de tuile. Donc voilà. Ça, ce sont les tuiles château, le joli château que l'on a ici. On va avoir ici, donc pareil, des ennemis associés. Donc ça ressemble très fortement au vert de dune, au vert des sables. Ici, on a des choses qui ressemblent à des kobolds, donc qui vont être associés à la forêt. Là, on a des tuiles désert encore. Ici, qu'est-ce qu'on y trouve? Qu'est-ce que c'est? C'est les tuiles grottes, ici. On a les tuiles grottes, donc on peut trouver... Alors, ça ressemble à des dragons, hein. Oui, ça a l'air d'être des dragons, ce que l'on a là. Ici, on a des vampires, donc les vampires, oh, ils vont être dans les châteaux, bien évidemment. Et on retrouve encore des vers des sables. On a des tuiles volcans. Ici, on a les tuiles cercle d'invocation. Donc ici, avec des mages, hein, ça ressemble bien à des mages, à des cultistes, si vous êtes plutôt porté Lovecraft. Et ici, donc, on retrouve des dragons qui sont à destination des grottes. Ici, les tuiles des nuages, donc c'est îles nuageuses, pardon, les îles nuageuses. Et donc, on a l'air de trouver des succubes sur le côté. Voilà, donc c'est très sympathique, hein, comme d'habitude. Là, on a la tuile volcan avec des sortes d'élémentaires de feu que l'on trouve ici. Et enfin, bien évidemment, on termine par cette partie-là. Enfin, bien évidemment, c'est la dernière. C'est la dernière punchboard. Et celle qu'on n'a pas faite, donc j'essaie de juste retrouver, ça va être des tuiles campement. Oui, c'est ça, ce sont les tuiles campement. Et donc à l'intérieur, eh bien, on va trouver. Alors, c'est des espèces de chiens, étonnamment, des chiens bipèdes. Enfin, des chiens bipèdes, des chiens sur leurs deux pattes. Et donc encore des tuiles nuageuses et succubes. Maintenant, je vais tout dépuncher et tout ranger dans les trays pour que vous puissiez voir si ça fait le boulot. Et le voilà donc rangé, ce overboss. Donc vous allez trouver, une fois rangé sur le dessus, les documents. Donc évidemment, démarrage rapide, mode solo et la règle du jeu. Voilà à quoi ça ressemble une fois la boîte ouverte. Donc vous avez un tray de rangement qui va accueillir toutes les tuiles. Donc je les ai triées ici par type. Donc hop, si vous soulevez une boîte, et bien en dessous vous avez les ennemis et la tuile cristal qui va avec. Donc ça, c'est pareil pour tous. Ici, j'ai juste là, alors je ne suis pas sûr que ce soit le bon endroit, mais c'est pas grave, les mini-boss ici, ainsi que les tuiles portail. Et donc là-dessus, vous mettez vos cartes boss, et dessous, donc les paquets de cartes qui rentrent très bien, comme ça. Hop, et ça, on peut le refermer. Et donc sur le deuxième trait, vous avez d'abord les plateaux joueurs, donc qui rentrent dedans, avec le carnet. Et ici, donc, la partie, le petit sachet. Tous ces éléments-là, donc là, je ne vois pas, je ne sais pas ce que c'est. Alors, est-ce que c'est version Kickstarter qui proposait d'autres éléments qui permettaient d'entrer dedans? C'est tout à fait possible. Ou est-ce que c'est destiné à des extensions? Ça, en soi, ça n'est pas très grave. Ça sera peut-être le cas pour plus tard. Comme là, vous voyez qu'il y a un paquet, il y a un emplacement pour une tuile encore, pour un type de tuile encore disponible. Donc à voir si ce sera utilisé comme tel. Et donc voilà, on a fait le tour sur ce déballage donc, de Overboss. Donc Overboss qui propose un matériel somme toute assez honnête, avec en plus des rangements, des game trays qui sont plutôt bienvenus sur ce genre de boîte. Donc c'est plutôt très cool ça. Et puis on a vraiment le fil de rétro gaming avec ce pixel art, donc bien assumé, moi, un truc, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc voilà, en tout cas, c'est tout ce que j'avais à vous montrer concernant ce matériel-là. Si vous avez apprécié cette vidéo, bien sûr, laissez-moi un petit pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne si vous passez ici par hasard. Je compte bien faire une vidéo concernant le gameplay, donc les règles de ce overboss. Et c'est, si j'ai suffisamment le temps d'y jouer d'ici là, je vous donnerai peut-être même mon avis en plus. Voilà, donc ce sera tout pour moi et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Jeux en Carton.